Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Mister Flamingo et bienvenue pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, puisque aujourd'hui même, le 8 février 2017, ça souligne les 1 mois avec ma blonde, j'ai pensé faire une vidéo sur la Saint-Valentin, même si c'est un peu à l'avance, mais comment vous dire poliment? M'en calisse! Donc comme ça fait 1 mois que je suis maintenant en couple, ça va être ma première Saint-Valentin que je ne passerai pas tout seul. Ouais, ça va être le fun. Pour célébrer la Saint-Valentin, j'ai acheté un petit truc à ma blonde. Vous savez, le film Histoire de Jouets 3, l'ours en peluche rose, le méchant principal de l'histoire, il me semble. Ben c'est ça que j'y ai acheté, là, la peluche environ ça de gros, sans la fraise. J'ai acheté ça à la boutique L'Imaginaire. Des promenades Beauport, ça a ouvert depuis septembre et je suis très satisfait de les produits qu'il y a là-bas. C'est vraiment une boutique fantastique et je souligne que ce n'est pas une vidéo sponsorisée. Je fais juste une petite promotion pour ce magasin parce que quand j'allais à cette place-là, quand c'était juste à la place Laurier, il me semble, je tripais bien raide et bien là, je peux capoter encore plus puisque là, je peux y aller en autobus ou en tout cas plus facilement que demander un livre à mes parents tout le temps. Enfin bref, j'ai acheté un beau toutou qui sent la fraise et... j'ai donné à l'avance, tout simplement, dimanche dernier, puisque j'allais aux quilles. Et elle était super contente, et ça me fait tellement plaisir qu'elle soit contente. Et la Saint-Valentin, au début, quand t'es tout seul, 18 ans, pis que là, tout d'un coup, ça va être ta première Saint-Valentin en couple, ça fait bizarre, tu sais, tu sais pas comment gérer ça. J'imagine, en tout cas. Parce que moi, je sais pas comment je vais gérer ça le 14 février prochain. Ça me stresse un petit peu, mais j'ai dit à ma blonde, regarde, je t'ai acheté ton cadeau à l'avance, fais-moi pas de reproches comme quoi je t'ai rien offert à la Saint-Valentin. Fait que j'ai dit ça en joke à ma blonde, heureusement, elle l'a bien pris, et pas mal ça, tu sais. Fait que là, comme je disais, la Saint-Valentin, j'ai toujours pensé ça tout seul, puis ça me fait juste chier de voir des magasins, des fois, juste, pas juste à Saint-Valentin, mais en général, voir les couples se tenir la main, marcher tout heureux. Pis moi, j'étais forever alone. Mais puis maintenant, tout ce que je sais, c'est que maintenant, je fais comme les autres. Je marche main dans la main avec ma blonde. Et je pense que tout simplement, être tout seul une Saint-Valentin, ça fait grave chier. Surtout quand je pense que ça fait bientôt 25 ans que mes parents sont ensemble. Parce que oui, mes parents ne sont pas séparés. Et je me dis, eux, ils ont l'air tellement heureux ensemble que je me dis, j'avais le goût de voir ce bonheur-là. Pour moi, à un moment donné, avoir un bonheur similaire, c'est avoir quelqu'un, que tu tiens à quelqu'un, puis que ça soit réciproque, que la personne aussi tienne à toi. Donc je pense que c'est ça un peu le principe de la Saint-Valentin, c'est de montrer à la personne que tu aimes que tu l'aimes. Donc c'est un peu tout pour cette vidéo sur la Saint-Valentin. Sur ce, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, tout simplement. Je sais que la vidéo est en avance. Enfin bref, moi ça me fait plaisir de la faire. C'est important pour moi de souligner les choses qui se passent dans ma vie des fois, même si c'est pour être à l'avance. Enfin bref, là, j'arrête de me répéter, j'arrête la vidéo ici et je vous dis à bientôt. Bye bye! Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner sacrément?